Après avoir été l'une des figures emblématiques de France Télévisions, Laurent Ruquier fera sa rentrée sur BFM TV. Lundi 31 juillet, l'animateur a tenu à adresser un message aux téléspectateurs avant son arrivée sur la chaîne d'information. Le mercato télé bat son plein. Après 30 années de bons et loyaux services, Laurent Ruquier a décidé de quitter France Télévisions. Alors que les rumeurs annonçaient l'animateur sur TF1, le compagnon d'Hugo Manos fera finalement sa rentrée sur BFM TV. « Je suis très heureux de rejoindre BFM TV, la chaîne info de référence qui m'offre ainsi la chance de revenir à ce qui me passionne depuis toujours, l'actualité, qu'elle soit politique, sportive, culturelle ou sociétale. Ce nouveau défi sera l'occasion pour moi de traiter et de débattre de l'information, à la fois en laissant place au direct, mais aussi en prenant le temps de la réflexion sur des événements à propos desquels on a parfois tendance à réagir trop rapidement sans y apporter les nuances nécessaires », a expliqué Laurent Ruquier dans un communiqué. Laurent Ruquier adresse un message aux téléspectateurs du lundi au jeudi. Laurent Ruquier, accompagné de la journaliste Julie Hamet, sera aux commandes d'une nouvelle émission de 20h à 21h. Lundi 31 juillet, l'animateur a tenu à adresser un message aux téléspectateurs avant son arrivée sur la chaîne d'information. « Bonjour, c'est Laurent Ruquier, je vous retrouve à la rentrée sur BFM TV à 20h, avec Julie Hamet. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances, un bel été. À très vite », a-t-il expliqué dans une vidéo partagée sur le réseau social Twitter, désormais renommé X. Il ajoute, « Laurent fait le choix de la passion, lui le passionné d'infos qui passe des heures et des heures à lire la presse, écouter la radio et la télé. » Pendant des années, ses invités ont fait l'actu le samedi soir. Sur BFM TV, sa soif d'infos sera enfin totalement rassasiée, avait également expliqué Marc-Olivier Fogiel, le directeur général BFM TV. Un nouveau départ pour Laurent Ruquier.